Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je propose un tirage qui s'adresse un peu à tout le monde en fait, en célibataire, en couple, peu importe. On va essayer de voir si il ou elle vous a oublié. Donc ça peut parler d'un ex, ça peut parler d'un amour de jeunesse, ça peut parler d'un ami aussi, ça peut être un tirage amical. Pas forcément sentimental. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre vie, que vous soyez actuellement célibataire, que vous soyez en couple, hein, pourquoi pas. Vous pouvez avoir peut-être au moment de ces dernières semaines, pensé à cette personne en vous demandant où elle était, ce qu'elle faisait, si elle allait bien. Peut-être qu'on a repensé à des gens comme ça, qu'on avait perdu de vue ou qui ont beaucoup compté pour nous en se demandant. Parce qu'ils étaient devenus tout simplement, et si ils n'étaient pas impactés par tout ce qui s'est passé. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc je vais prendre une carte de comment ça s'appelle? Des esprits de la forêt. Et puis on va voir. Cette carte va donner un peu le ton général, mais on va voir après avec le rider. On ira un peu plus en profondeur. Alors, le toucher des elfes, rétablissement, retour, renouveau. Alors, donc, j'ai l'impression que là, alors peut-être que cette personne est plus ou moins réapparue dans votre vie, ou elle est réapparue, mais pas de façon tangible. Peut-être que tout simplement, elle est réapparue dans votre esprit, en fait, parce que quelque chose vous a fait fortement penser à cette personne. Ça peut être une chanson. Ça peut être une photo que vous avez trouvée en faisant du rangement chez vous, tout simplement, dans cette période de confinement. Ça peut être quelqu'un qui vous a parlé d'elle. Voilà. Mais en tout cas, bizarrement, cette carte me dit que cette personne, elle a fait un retour dans votre vie de façon tangible ou de façon intangible. Mais en tout cas, il y a cette idée de retour, de renouveau, de rétablissement. Quelqu'un qui avait peut-être disparu, qui revient. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va se manifester, il va sonner à votre porte, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais en tout cas, vous y avez pensé. Donc, on va voir ce que le rider va nous dire. J'aime bien le rider pour ce genre de tirage parce qu'il est neutre. Alors là, je les mélange, hein, mais je vais les prendre devant vous, les tirer devant vous. Alors, on va prendre trois cartes. Hop. Cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce, hein, qui maîtrise sa communication, qui... ne se pose pas de questions, qui fonce, qui passe à l'attaque en fait. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui... comment je pourrais dire ça? Si on était dans l'aspect négatif, qui a du mal à convaincre dans une situation. Peut-être à convaincre de sa bonne foi, à convaincre de ses intentions, ou voilà. Ici, je vois plutôt comme quelqu'un qui revient. Vous voyez, il est à cheval, il fonce. Je vois plutôt, oui, comme quelqu'un qui fonce. Alors, il ne sait pas peut-être pour l'instant où il fonce, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est déjà sur le chemin du retour, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va entrer dans votre vie, hein, ou qu'il va revenir dans votre vie, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se rapproche de vous, ici. Oh là! Bon,
Pour tous ceux qui ont peur d'un retour éventuel, c'est mal barré, les enfants. Parce que là, c'est la carte, le 8 de bâton. Donc, c'est le dépassement de soi, mais c'est aussi la carte de la rapidité, du fait qu'il n'y ait pas d'obstacle devant vous, de quelque chose qui arrive de façon claire, précise. Voilà. À l'inverse, ce serait une carte de blocage. Donc, on est quand même. Prenez ce qui résonne en vous, hein, mais là, j'ai envie de vous dire, on est plutôt dans quelque chose qui est en train d'arriver, quoi. Bah, je pense que déjà, si vous regardez cette vidéo qui s'appelle Est-ce qu'il ou est-ce qu'elle m'a oublié voilà, c'est que déjà, ça trottait dans votre tête quelque part. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression que, bon, on va voir la troisième, hein, mais. Waouh, 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 waouh! Regardez, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, bah, c'est l'idéaliste, c'est celui qui se sent investi d'une mission, qui cherche l'âme sœur. Voilà. Alors, bon, on va aller éclairer un peu tout ça, parce que là, moi, j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui revient un petit peu du passé. Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté, peut-être un amour d'enfance qui s'est jamais concrétisé vraiment parce que bah, les études vous ont séparé, peut-être que cette personne a déménagé, peut-être que. Bah, à l'époque, si vous êtes connu, mettons au collège, au lycée ou à l'université, bah, on est au début de sa vie professionnelle, donc bah, on suit un peu voilà, le cours des choses. Et vous vous êtes dit, bah, ça n'ira jamais plus loin, puisque de toute façon, peut-être que vous n'étiez pas du même milieu. Enfin, voilà, y a sans doute plein de choses qui ont fait que. Et là, j'ai l'impression que il y a un gros retour en force, les amis, hein. C'est pas pour dire, mais là j'ai l'impression que rétablissement, retour, renouveau, le 8 de bâton, le cavalier d'épée, et là le cavalier de coupe avec sa petite coupe à la main qui vient vous offrir son cœur. Excusez-moi du peu, mais j'espère que vous êtes célibataire, les amis, parce que là ça, je pense qu'il y aura du rififi, chez vous. Alors, voilà. Non, non, je l'ai mise comme ça. Alors, on va voir ce que ça nous dit derrière. Alors, ça peut être complètement à l'opposé. On va voir. Et dans ce cas-là, peut-être qu'une ligne s'adresse à certains d'entre vous et l'autre ligne va s'adresser à une autre partie des gens qui regardent. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Hein, donc, voilà. Alors, bon, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. On y va. Vous voyez? Ici, qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est quoi? Vous connaissez les cartes aussi bien que moi maintenant. Ce sont les regrets. Le fait de faire un deuil douloureux. Une sorte de culpabilité. Peut-être le fait d'être parti, de pas avoir fait les choses comme il fallait les faire. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui fonce parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets, en fait, par rapport à quelque chose. Alors, sans doute par rapport à vous, mais peut-être par rapport à la façon dont les choses se sont passées. Ici, qu'est-ce qu'on a? Reine de bâton. Alors, on est encore dans les bâtons, les enfants. Bâton, la reine de bâton, c'est la séduction. C'est quelqu'un qui maîtrise son domaine, c'est une certaine autorité aussi, et c'est quelqu'un d'optimiste. L'énergie de la reine de bâton, ici, avec le 8 de bâton, justement, ça vient me confirmer que c'est quelqu'un qui a réfléchi. Parce que la reine, ben, elle est un peu à l'instar du roi, elle est un peu dans la maîtrise. Hein, elle maîtrise ses émotions, elle maîtrise ses sentiments. Si cette personne est en train de faire cette démarche, c'est quelque chose qui n'est pas sur un coup de tête. C'est quelque chose qui a été quand même un petit peu réfléchi, même si on a cette notion de foncer, d'aller de l'avant. Ici, on a quand même le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un, bah, c'est un idéaliste, hein, c'est quelqu'un qui se sent investi, donc c'est quelqu'un qui a réfléchi à. Hein, et puis là, avec cette reine qui arrive ici, la reine, elle est dans la maîtrise de. Voilà, de. Comment je pourrais vous dire ça?
Quand j'ai dit les émotions, mais je pense au cavalier de coupe, mais bah, de toute façon, la reine de bâton, la reine de coupe, il y a la notion de séduction qui vient en plus, mais la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses passions, mais c'est quelqu'un de passionné aussi, hein, donc c'est quand même quelqu'un, c'est une amoureuse, c'est une séductrice, donc là, je pense que on a quelqu'un qui a réfléchi à la situation, qui a vraiment envie d'être. De revenir, bah, peut-être pour vous séduire tout simplement, pour essayer de voilà de recoller les morceaux ou de voir où peut-être où vous en êtes de votre vie et se dire voilà il faut qu'on essaye de se donner une deuxième chance. Donc on va voir ici, surprise, surprise. Et là, regardez, on a l'ermite. Et ici, cet ermite, mais en fait, tout le monde pourrait se dire, mais zut, ça vient comme un cheveu sur la soupe, mais pas tant que ça en fait. Parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui n'est pas, comment je pourrais vous dire ça? C'est quelqu'un qui suit sa petite lumière intérieure, en fait. Vous voyez? Oui, c'est quelqu'un qui est en introspection, qui s'isole un petit peu, qui prend un peu de recul sur le monde autour de lui, qui prend une sorte de retraite, mais c'est quelqu'un qui a sa petite lumière à la main, qui éclaire sa route, hein. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être en introspection, mais qui sait quand même où il veut aller, qui sait, qui voit où il va, qui voit juste le début de sa route. Alors ici, en fait, que l'ermite arrive ici, c'est pas, ici je le vois plutôt comme cette petite lumière dans la nuit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Ici, cette lumière, elle représente un petit peu ça. C'est-à-dire que lui, il sait. En fait, qu'il veut aller vers ce, dans ce, prendre ce chemin. Et donc, il éclaire les pas devant lui, mais il est conscient, malgré tout, qu'il y a une part d'incertitude par rapport à vous. C'est-à-dire que lui, au fond de lui, il va savoir, il a réfléchi sur la question. Hein, on a les regrets, on a ici quelqu'un qui est dans sa quête, on a cette reine qui maîtrise son environnement, on a ce 8 avec une énergie, la volonté d'y aller. Mais on a quand même, ici on a le cavalier de coupe qui a envie d'offrir son cœur, mais on a quand même quelqu'un qui est conscient que bah, la vie a laissé des traces en chacun d'entre vous. C'est-à-dire que chacun a suivi son petit chemin, sa route. Donc lui, il éclaire sa propre route, mais pour l'instant, il ne peut pas éclairer la vôtre. C'est-à-dire que lui, il sait qu'il doit avancer, qu'il doit suivre le chemin qu'il s'est fixé. Donc il éclaire ses pas pour pas trébucher, pour pas tomber en route. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est vous, comment vous allez réagir en fait. Alors du coup, je vais prendre peut-être une ou deux cartes encore du Rider. Voyez ce que je veux dire? C'est l'ermite ici, mais pas, je le ressens pas comme un ermite fermé dans son monde en hibernation. C'est pas ça que je vois. Là, je vois l'ermite qui suit sa petite lumière. Alors, ça peut représenter son cœur, sa volonté, son aspiration, voilà, sa conviction, hein. Mais il éclaire pour le moment, juste, c'est pas à lui. Il peut pas éclairer pour l'instant votre route à vous. Donc, son incertitude, elle va être là. Donc, oups. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on va prendre une carte et puis j'en reprendrai une autre si jamais. Et là, on a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un de structuré, c'est quelqu'un qui est dans l'ordre, qui est. Voilà. Par contre, ici, je le prendrai un petit peu. Comment je pourrais vous dire ça? J'aurais tendance presque à le prendre à l'inverse, c'est-à-dire. Quelqu'un qui ne sait pas trop où il va, justement, qui manque de cadre, parce que oui, là, lui, l'empereur, il aime la structure, il aime l'ordre, c'est une figure un peu paternelle de quelque chose qui est bien cadré. Et là, je le prendrais presque ici, moi, l'empereur, un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire que on a. Quelqu'un qui a pensé à la situation, qui a essayé de cadrer la situation, de structurer la façon dont il voulait que les choses se fassent,
Mais il est quand même dans cette part d'incertitude que l'on peut avoir. Alors, je prends une autre carte parce que là, c'est pas évident. Et là, on a le 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est le fait de travailler en équipe, d'une relation constructive, de faire des efforts mutuels, d'être dans une bonne entente, en fait, dans un partenariat, mettre ses compétences en commun aussi. Donc ici, j'ai l'impression que cette personne, dans un premier temps, elle a la volonté de revenir, elle a beaucoup de regrets par rapport à ce qui s'est passé. Elle a un peu, en fait, l'empereur, moi, ce qu'il me dit, c'est que cette personne, elle a un peu imaginé la façon dont les choses allaient se passer. Sauf qu'elle sait, au fond d'elle, avec l'ermite, que ça risque de pas forcément se passer comme elle a envie que ça se passe, en fait. Elle s'est mis un cadre, un beau cadre autour, elle a bien structuré ses trucs, elle a en tête ce qu'elle a, peut-être les choses qu'elle allait vous dire, sauf qu'elle ne sait pas, vous, comment vous allez réagir. Et ici, on a ce 3 qui vient un peu nous montrer ses espérances. C'est-à-dire, je pense qu'elle ne demande pas la lune au début, elle demande simplement à ce que vous l'écoutiez, à ce que vous l'entendiez, à ce que vous ayez envie de voilà d'avancer aussi un peu dans son sens et d'aller vers une relation constructive en fait. Que vous ne soyez pas dans le conflit, que vous ne soyez pas dans le reproche, si peut-être à l'époque ça s'était mal passé, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a blessé, peut-être qu'il n'a pas fait les choses comme elle aurait dû les faire, et elle aimerait pouvoir venir s'expliquer, venir essayer de recoller un petit peu les morceaux. Après, le choix, il sera entre vos mains, de toute façon. On va voir avec comment ça s'appelle, les cartes, la dernière carte oracle. Mais je pense que cette personne, elle a surtout envie, voilà, au moins que vous l'écoutiez et que vous partiez peut-être sur des bases autres, hein, c'est quelqu'un qui espère peut-être une relation sentimentale en disant bah, voilà, la vie est passée, l'eau a coulé sous les ponts, on va peut-être pouvoir se redonner une deuxième chance. Alors, oui, elle est peut-être, voire sûrement, ici, dans ce genre d'énergie ou d'envie, du moins, mais elle se contentera de ce qu'elle obtiendra. C'est-à-dire que cet empereur à l'enfer, pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même conscient qu'il arrive un peu ou elle arrive un peu comme un chien dans un jeu de quilles. C'est-à-dire qu'elle a aucune, peut-être aucune idée, elle vous a peut-être un peu suivi ou espionné, mais j'aime pas trop ce mot. Elle a peut-être fait des recherches simplement sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu si elle trouvait des traces de votre vie, tout simplement, pour voir où vous en étiez. Mais je pense que cette personne, avec l'ermite et l'empereur, elle est quand même consciente qu'elle peut aussi débarquer dans votre vie comme dans un jeu de quilles. Comme un chien dans un jeu de quilles. C'est-à-dire que. Voilà, elle va prendre ce que vous allez pouvoir lui donner. Et c'est un peu ce que je ressens ici avec ce 3 de denier. C'est qu'elle va, elle va essayer de trouver ou un compromis ou essayer de travailler. Enfin, là, j'emploie le mot travailler, mais c'est pas travailler, mais de peut-être de repartir sur des bases constructives. Alors, j'ai une carte qui est tombée. On a, qu'est-ce qu'on a? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, ici, j'y vois deux choses. Discutez, conversation cœur à cœur. Alors, ça va être conversation cœur à cœur avec la personne qui revient. Peut-être qu'elle a besoin de. Je pense qu'il va falloir au moins l'écouter. Écoutez ce qu'elle a à dire. Après, le choix, il est entre vos mains. Mais il va aussi falloir. Avoir une conversation cœur à cœur avec votre partenaire du moment si vous êtes en couple. Parce qu'il ne faut pas lui cacher, peut-être votre amour d'enfance revient dans votre vie. Il faut être honnête avec la personne et dire voilà, cette personne a demandé à reprendre contact, par exemple. Je ne sais pas ce qu'elle me veut, d'ailleurs, vous ne savez pas forcément ce qu'elle vous veut de toute façon. Voilà, on ne s'était pas quitté en bon terme, ou ça a été à un moment donné, mais l'amour de ma vie, pourquoi pas, mais vous devez être honnête aussi avec votre partenaire du moment. C'est-à-dire que il faut jouer franc jeu, vous n'aimeriez pas que ce partenaire du moment
ou cette partenaire du moment vous fasse la même chose, voix annexe en cachette par exemple, vous n'apprécierez pas. Donc ici, c'est ça que ça veut dire aussi. C'est pas que avoir une conversation cœur à cœur avec cette personne qui revient. Alors, si vous êtes célibataire, bien évidemment, vous vivez votre vie. Mais si vous êtes en couple, il faut être honnête avec les deux. C'est-à-dire qu'il faut aussi dire à votre partenaire, voilà, il y a quelqu'un qui revient, j'aimerais entendre ce qu'il a à me dire ou ce qu'elle a à me dire. Et puis voilà. De toute façon, c'est vous qui avez les cartes en main ici avec ce tirage, hein. C'est vous qui avez vraiment les cartes en main ici. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura pu résonner pour certains d'entre vous. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ce tirage. J'ai trouvé que c'était un tirage vraiment, je sais pas, sympa. C'est toujours sympa de voir quelqu'un, peut-être qu'on a beaucoup aimé, ou de voir quelqu'un nous donner des nouvelles, tout simplement. Ça peut être juste ça aussi, hein. Y a aucune promesse à faire, il n'y a aucun. Il n'y a aucune obligation, hein, là-dedans. Juste, peut-être, tout simplement écouter la personne. C'est tout, et puis reprendre contact. Peut-être que elle a sa vie aussi, elle de son côté, et puis elle est peut-être tombée sur quelque chose qui avait un lien avec vous, et elle a eu envie tout simplement de savoir aussi ce que vous étiez devenu, savoir que vous avez peut-être une belle vie, que voilà, si vous avez des enfants. Voilà, des choses tout simples, ça peut être aussi amical, hein. Pourquoi pas? Ça peut être une meilleure amie d'enfance. Et que vous vous êtes perdu de vue parce que, ben, à l'époque, peut-être qu'elle avait déménagé, peut-être que, voilà, du jour au lendemain, vous vous étiez disputé, ou peu importe. Prenez ce qui résonne en vous. Ça peut être que trois cartes, ça peut être que deux cartes, ça peut être que les cartes oracles, pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, ici, c'est un beau tirage, je trouve. Hein. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu aider certains et certaines. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance, et puis je vous souhaite de belles énergies.